Shalom, shalom, Eugénie, Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 avril 2024. Par la grâce de Dieu, depuis le mardi passé, nous avons commencé à lire ensemble la parole de Dieu. Nous avons commencé ce programme de lecture de la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit glorifié pour cette grâce qu'il nous accorde. Amen, amen. C'est par sa grâce que tu participes à ce programme. Tu aimes Dieu, tu désires le connaître, tu désires t'approcher de lui davantage et Dieu a permis que tu participes à ce programme de lecture de la Bible, que son nom soit élevé. Nous savons tous l'importance de méditer cette parole. Réjouissons-nous pour cette première semaine de lecture de la Bible ensemble. Que Dieu nous aide à lire sa parole encore et encore. Que Dieu nous aide à aller jusqu'au bout. Que Dieu nous aide à lire sa parole jusqu'à notre dernier souffle, que nous ayons toujours faim et soif de cette riche parole, de cette parole bénie. Ma prière pour toi, ma prière pour moi-même, est que nous persévérons dans cette lecture, même épuisés, même chargés. Je te conseille de persévérer. Ne laisse pas une situation, ne laisse personne t'empêcher de lire la parole de Dieu. Amen, amen. Aie toujours cette joie, aie toujours l'envie de lire cette parole. Amen, amen. Donc que Dieu nous bénisse. Nous avons commencé à lire sa parole, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu se révèle à nous, que Dieu nous aide à persévérer. Amen, amen. Nous ne pouvons lire la parole de Dieu avec notre propre chair. Nous avons besoin de l'aide de Dieu, de l'aide de son esprit. Et c'est pour cela que je vous dis avant de prier, avant de lire la parole de Dieu, il faut prier. Amen. Beaucoup ont commencé à lire la Bible avec un objectif de lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais ne sont même pas arrivés à lire tout le Nouveau Testament ou tout l'Ancien Testament. Ce n'est pas une course. Tout ce que nous voulons, c'est de connaître cette parole. Que Dieu nous aide donc. Amen, amen. Shalom Sylvie, shalom Caroline, shalom Nathalie, shalom Océane, shalom Marie-Sylvie, shalom Suzanne, shalom Sheki. Que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen. Et je vais peut-être redire pour la dernière fois de ne pas se laisser distraire par des commentaires. Des personnes peuvent tomber sur ce direct, ne savent pas le sujet du direct. Vraiment, ne vous laissez pas troubler. Voilà, concentrez-vous sur ce qu'on est en train de faire. Si nous sommes en train de lire la parole de Dieu, continuez de lire la parole de Dieu. Si nous sommes en train de prier, vraiment, il faut prier. Amen, amen. Nous allons prier pour remettre ce
programme de cette nuit entre les mains de Dieu. Que Dieu soit avec nous. Je t'invite à prier. Amen. Je t'invite à prier de tout ton cœur pour ce programme. Que Dieu conduise tout par son esprit. Prions ensemble. Père éternel, au nom du Seigneur Jésus, je te prie encore cette nuit de venir conduire ce programme de lecture de ta parole. Nous croyons en toi, nous croyons en ton Fils, le Seigneur Jésus. Nous croyons en ta parole. Et tu nous dis dans Josué 1, verset 8, de méditer cette parole nuit et jour. Ce mardi 16 avril 2024, nous voulons encore lire ta parole. Viens te révéler à nous. Viens nous faire connaître ta parole. Viens nous faire connaître ta volonté. Apprends-nous ce que nous ne savons pas. Aide-nous aussi à obéir à ta parole. Amen, amen. Que le cœur de chacun de nous soit une bonne terre et que cette parole que nous allons entendre ce soir produise du bon fruit en nous. Père, je te prie de prendre le contrôle de ce direct. Couvre-nous tous par le sang de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous demeurons sous ta protection. Que tes anges soient à nos côtés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Sans tarder, nous allons prier avec mon livre « Prière et déclaration biblique puissante ». Certainement que tu as déjà ce livre. Amen. Je t'invite à prier avec moi. Père, notre Père qui est aux cieux. Selon Psaume 119, verset 18, je te prie encore cette nuit d'ouvrir mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je te prie, notre Père qui est aux cieux, selon Luc 24, verset 45, d'ouvrir mon esprit afin que je comprenne ta parole, afin que je comprenne les saintes écritures, afin que je comprenne ta volonté. Selon Colossiens 1, verset 9, remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom, shalom à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Shalom, la sœur Dominique. Shalom, la sœur Brigitte, la sœur Flore. Shalom, Célia Philippot. Que Dieu soit avec nous encore ce soir. Est-ce que tu as ta Bible ouverte? Est-ce que tu as ton cahier de notes? Tu as ton stylo? Tu as ton marqueur? Tu es prêt, tu es prête pour lire la parole de Dieu. Quel est le chapitre que nous lisons aujourd'hui? Nous avons commencé un livre depuis mardi passé. Quel est le chapitre que nous lisons aujourd'hui? Dans ce programme de lecture, nous lisons un chapitre de la Bible par jour, du lundi au vendredi. Amen, amen, je crois que tu es fière de toi parce que cela fait une semaine que tu lis un chapitre de la Bible par jour. Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit élevé. Amen, amen. Si Dieu le veut, pourquoi pas, peut-être qu'on fera des programmes de prière, peut-être une heure de prière, je ne sais pas. Ce que Dieu veut, c'est notre croissance spirituelle. Amen, amen. Matthieu 6. Soyez tous bénis. Quel est le titre de ce chapitre dans ta Bible? Avec la sœur Marcel Bagba, nous travaillons lorsqu'on lit la Bible. Amen, amen.
Je vois 27 personnes connectées, que 4 likes. Je te prie de liker la vidéo. Je te prie de la partager. Amen, amen. Faire l'aumône en secret, les pratiques religieuses. C'est vrai, nous avons différentes versions. Dans ma Bible, c'est condamnation du formalisme religieux. Quel est le titre de Matthieu 6 dans ta Bible? Je te prie d'écrire la date du jour dans ton cahier, d'écrire la référence d'aujourd'hui, le chapitre d'aujourd'hui, Matthieu 6. Amen, amen. La sœur Brigitte, je crois que nous avons la même version de Bible. Amen, amen. Est-ce que vous avez tous liké la vidéo? Nous allons commencer la lecture. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu dirige toutes choses. Sois disposé, ne sois pas distrait, ne sois pas distraite. Amen. Matthieu 6. C'est le Seigneur Jésus qui parle, qui te parle, qui nous parle tous. Amen, amen. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Écoute bien la parole du Seigneur. Dieu nous parle et ce qu'il attend de nous, c'est que nous pratiquons cette parole. Il ne veut pas que nous écoutons seulement sa parole, mais nous devons aussi lui obéir. Nous devons aussi faire ce qu'il nous recommande pour notre bien, pour notre salut. Lorsqu'il est écrit, la grâce et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie, mais c'est lorsque tu obéiras au Seigneur. Nous avons déjà lu ensemble Deutéronome 28. Dès les premiers versets, il est écrit qu'il fallait, pour pouvoir vivre les bénédictions décrites dans Deutéronome 28, la condition était d'obéir à Dieu. Amen. Donc toi qui m'écoutes, qui voudrais plaire à Dieu, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, cherche à faire ce que Dieu dit. Amen, amen. Si tu avais pris un autre chemin, prends le chemin que le Seigneur t'indique pour ton bien, pour ton salut. Tu ne regretteras pas. Amen, amen. Donc, écoutons ce que le Seigneur a à nous dire ce soir, a à nous dire cette nuit. Amen, amen. Je relis le verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 3. Mais toi qui participes à ce programme de lecture biblique, mais
quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole du Seigneur. Instruction sur la prière. Verset 5. Lorsque vous priez, lorsque tu pries, sœur Suzanne, lorsque tu pries, sœur Dominique, lorsque tu pries, sœur Nathalie, lorsque tu pries, sœur Flore, sœur Caroline, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Lorsque tu pries, cherche à être vu par Dieu et non par tes voisins, non par tes frères et sœurs, mais cherche à être vu de Dieu. Amen. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Notre Père est un Dieu de secret. Il voudrait une intimité avec toi. Ta relation avec lui ne doit pas être publique. Tout ce que tu dis à Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu fais avec Dieu. Amen. Dieu apprécie lorsque nous agissons dans le secret. Et la Bible dit qu'il voit dans le secret et il nous le rendra. Amen. Amen, amen. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Toi qui m'écoutes, comment pries-tu? Le Seigneur Jésus nous dit cette nuit de ne pas multiplier de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. J'ai déjà fait une vidéo sur cette prière. Je t'invite à écouter cette vidéo. Amen, amen. Parce que je suis allée, j'ai développé en fait cette prière avec l'aide de Dieu et je crois qu'elle te fera aussi du bien. Alléluia. Dieu ne voudrait pas qu'on la récite par cœur. Amen. Il voudrait qu'on puisse prier avec notre cœur. Tu peux prendre chaque phrase de cette prière et t'approcher de Dieu. Amen. Au cours de la journée, Dieu peut te rappeler une phrase de cette prière et tu prieras avec cette phrase. J'aime beaucoup cette prière, mais malheureusement, beaucoup la récitent en fait par cœur, sans vraiment discerner le sens, sans discerner la volonté de Dieu en fait. Lorsque le Seigneur Jésus a montré cette prière à ses disciples, à nous qui sommes ses disciples, il voulait pas qu'on puisse la réciter comme ça. Non, 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 non. Il voudrait vraiment qu'on puisse aller en profondeur. Amen. J'ai même écrit, je crois, j'ai écrit un, deux textes aussi sur cette prière. Amen, amen. Mais je sais que si vous tapez dans YouTube ou dans Google la prière de notre Père Marcel Bagba, je crois que vous trouverez soit la vidéo, soit les textes. Amen. Et si Dieu le veut, je vais revenir sur cette prière. Mais cette prière, elle est merveilleuse, quoi. Quand tu la développes, tu reçois beaucoup. Tu reçois beaucoup avec cette prière. Amen, amen. Tu reçois vraiment beaucoup de Dieu avec cette prière. Le Seigneur Jésus n'a pas donné cette prière comme ça. Hein. Il sait ce qui se trouve derrière cette prière. Et toi qui m'écoutes, vraiment, je t'encourage, je te conseille, si tu peux vraiment, de prier avec cette prière. Amen, amen. Que Dieu nous fasse grâce. Je continue verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Souvent, c'est difficile de pardonner. Mais Dieu nous demande de pardonner parce que lui, il est toujours prêt à nous pardonner. Nous ne devons pas retenir quelqu'un dans notre cœur. Quel que soit ce que cette personne a fait, pardonne. Ça te libérera et je t'assure, tu pourras avancer avec Dieu. L'ennemi ne pourra pas t'accuser devant Dieu disant, ton fils que tu aimes a de la colère, de la rancune, de l'amertume contre telle personne. Pourtant, il dit qu'il est ton enfant. Pourtant, il dit qu'il te sait. Pourtant, il dit qu'il t'aime, mais il n'arrive pas à pardonner. Que Dieu nous aide à pardonner toutes les personnes qui nous ont blessés, toutes les personnes qui nous ont fait mal. Nous devons les pardonner. Vous savez, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, on grandit spirituellement. On grandit spirituellement. Si tu retiens quelqu'un dans ton cœur, maintenant, ouvre ton cœur, dis Seigneur Jésus, viens m'aider à pardonner cette personne. Cela fait des mois, cela fait des années que je refuse de pardonner cette personne. Mais puisque cette nuit, tu me dis, dans Matthieu 6, verset 14, du verset 14 au verset 15, de pardonner, j'obéis à ta parole. Aide-moi à pardonner cette personne.
Et lorsque tu verras cette personne, tu diras à cette personne, je t'ai pardonné par la grâce de Dieu. Cette personne sera certainement surprise. Mais toi, ce que tu gagneras de cet acte est grand. Oui, est vraiment grand. Dieu sera content de toi, Dieu sera fier de toi. Dieu dira, mon fils a grandi, ma fille a grandi. Oui, cherche à progresser avec Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te maintenir, te bloquer, non. Pardonne à cette personne. Pardonne et avance. Parce que cela peut t'empêcher d'accéder à certaines bénédictions. Amen, amen. Oui, cela peut être un blocage. Tu voudrais que Dieu exauce toutes tes prières et tu refuses de pardonner à une personne qui t'a blessé. Pardonne et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Pardonne et avance. Pardonne et avance. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut faire pour toi. Montre à Dieu que tu as compris le message et que tu veux passer à autre chose. Amen. Verset 16. Le titre de ce nouveau paragraphe que je vais lire dans ma Bible est le jeûne. Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu aimes jeûner? Est-ce que tu as un programme de jeûne? Une fois par mois ou tous les vendredis ou une fois chaque 3 mois? Si ta réponse est non, fais un effort. Essaie d'avoir un programme de jeûne. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament parle de jeûne. Nous devons jeûner. Demande à Dieu de t'aider à mettre un programme en place. Et il t'aidera. Amen. Et il t'aidera. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Verset 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père qui est là dans le lieu secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Notre Dieu est un Dieu de secret. Il aime les choses qui sont faites dans le secret. Il ne veut pas que lorsque tu jeûnes, tu fasses savoir à tes collègues, à tes amis, à tes voisins, même dans la rue. Ah, je suis en train de jeûner, hein? Ah, je jeûne aujourd'hui, hein? Ah, ne me provoquez pas, hein, parce que je suis en train de jeûner. Non, 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 non. On ne doit même pas sentir que tu jeûnes. On ne doit même pas imaginer que tu jeûnes. Tu t'habilles bien, tu te parfumes bien. Amen, amen, tu brilles bien. Amen, amen. Que Dieu nous aide à jeûner comme il veut. Et la Bible nous parle dans l'Ancien Testament du vrai jeûne et du faux jeûne, si je ne me trompe pas, dans Ésaïe 58. Que Dieu nous aide à jeûner comme il veut. Oui, beaucoup jeûnent et ne prient pas. Toute la journée, ces personnes se privent de nourriture et souvent même d'eau, mais ne prient pas. Ce n'est pas un jeûne. Ce n'est même pas un jeûne. Lorsque tu jeûnes, tu décides de t'approcher de Dieu, tu pries et tu lis la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu. Alléluia! Mais jeûner, le matin tu vas au boulot, tu rentres le soir, tu n'as pas eu le temps de méditer la parole, tu n'as pas eu le temps de prier, tu n'as pas du tout jeûné, tu t'es simplement privé de nourriture, tu t'es privé de nourriture, mais tu n'as pas jeûné. Quand tu veux jeûner, avant même de commencer le jeûne,
tu prépares des passages bibliques que tu vas lire, tu prépares des points de prière, parce que tu ne jeûnes pas aussi pour ne rien, tu jeûnes pour un but, tu jeûnes pour quelque chose. Amen. Et ensuite, tu commences ton jeûne. Alléluia. Du matin au soir, selon ton programme du jour, tu prieras, tu liras la parole de Dieu. Et à la fin de la journée, tu pourras dire, j'ai jeûné. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à bien jeûner. Alléluia. Il ne faudrait pas que Dieu dise, tu crois que tu as jeûné, je ne sais pas combien de jours, combien de semaines dans ta vie, mais non. Je reconnais seulement peut-être 5 jours de vrai jeûne. Tu vas dire, quoi? Mais et les autres jours, c'était quoi? Il va dire, non, tu ne jeûnais pas. Tu te privais de nourriture, mais tu ne gênais pas parce que tu ne priais même pas. Tu ne pouvais même pas prier même pendant 30 minutes. Non, non, non. Tu partais au boulot, tu ne partais pas manger à la cantine à midi, tu ne partais pas manger au restaurant. Et ensuite, quand tu reprenais le travail, ben, tu ne mangeais pas, tu ne buvais pas. Le soir, tu rentres net, tu manges. Tu dis, j'ai jeûné. Et souvent même, il y a d'autres personnes qui vont manger avant de prier pour couper leur jeûne. Que Dieu nous aide à jeûner comme il veut. Amen, amen, jeûnons comme Dieu veut, amen, et il nous bénira aussi, puisqu'il est dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu veut nous bénir, hein? Il veut vraiment nous bénir, c'est pour ça que cette nuit-là, nous lisons des passages, il dit, lorsque tu fais l'aumône, tu dois le faire dans le secret, lorsque tu pries, tu dois prier dans le secret, lorsque tu jeûnes, tu dois jeûner aussi dans le secret. Que Dieu nous aide. Un trésor dans le ciel. Le titre d'un nouveau chapitre, toujours de Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs pèsent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Lorsque tu te réveilles chaque matin, quel est ton but? Gagner beaucoup d'argent, remplir ton compte bancaire. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Ne vis pas pour gagner de l'argent. Dieu t'a béni, t'a donné un travail, tu as un salaire, tu as d'autres projets, c'est très bien, mais tu ne vis pas pour gagner de l'argent, parce que l'argent que Dieu te donne, tu pourrais l'utiliser pour de bonnes choses. Amen, amen. Amen, amen. L'argent que Dieu te donne comme salaire, comme le fruit du travail de tes mains, tu dois l'utiliser pour de bonnes choses. Tu pourrais investir pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu pourrais faire du bien autour de toi. Amen. Amasse-toi des trésors dans le ciel. Amen. Que Dieu te révèle comment tu amasseras des trésors pour toi dans le ciel. Amen. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les soucis et les inquiétudes. Un titre d'un paragraphe toujours de Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu.
Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas. Il fait ce qu'il a fait chaque jour. Il ne s'inquiète pas pour le futur. Amen. Il fait ce qu'il a fait chaque jour. Il travaille et Dieu le bénit. Amen. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Voici ce que le Seigneur nous dit ce soir avec Matthieu 6. Vous voyez qu'on apprend beaucoup de choses en lisant la parole de Dieu. Dieu nous a beaucoup parlé ce soir. Amen, qui nous aide à pratiquer sa parole. Qui nous aide à ne plus nous inquiéter du présent comme du futur, à ne plus s'inquiéter pour sa vie, pour sa santé, pour sa situation matrimoniale, pour ses enfants, pour sa situation financière, pour sa situation professionnelle. Fais ce que tu as à faire chaque jour avec la grâce de Dieu et Dieu te bénira. Amen. Mais tu ne peux pas t'inquiéter comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Toi, tu connais Dieu. Tu le reconnais. Tu as accepter de le suivre. Et tu t'inquiètes. T'inquiéter, c'est douter. Oui, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Mais c'est douter de l'amour de Dieu, de l'intervention de Dieu, de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu n'as rien à manger. Parle à Dieu, tu verras. Tu verras ce qu'il fera. Une personne va t'appeler. Une personne viendra te voir avec de la nourriture. Vous savez, notre Dieu n'est pas sourd. Hein? Notre Dieu, non. Parle à Dieu. Dis Seigneur, regarde. Regarde ma situation. Et je te prie de m'aider. Je te prie d'intervenir. Mais Dieu fera quelque chose. Dieu n'est pas méchant. Ce Dieu d'amour-là, il n'est pas méchant. Il ne veut pas que tu meures, il ne veut pas que tu souffres. Il ne veut pas que tu sois troublé, perturbé. C'est pour ça qu'il dit d'obéir à sa parole. Amen, amen. Donc, cherche à obéir à la parole de Dieu. Cherche à marcher selon le plan de Dieu. Cherche à faire ce que Dieu attend de toi. Et tu verras ce qu'il fera aussi pour toi. Parce qu'il dit que c'est le péché qui met une séparation entre lui et nous. C'est le péché qui l'empêche de nous écouter, de t'écouter.
Marche comme Dieu veut et tu verras ce qu'il fera pour toi. Il dit, le lendemain aura soin de lui-même. Aujourd'hui, nous sommes le 16 avril. Dieu déjà sait ce qui se passera dans ta vie le 17 avril. Toi, non. Toi, ce que tu sais, demain, tu dois aller au travail. Mais Dieu sait ce qui va se passer chaque minute du 17 avril. Tu le reconnais comme ton Dieu, suis-le. Obéis à sa parole. Fais ce qu'il veut et tu verras. Amen, amen. C'était Matthieu 6. Tu as lu Matthieu 6. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé, que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide à lire encore sa parole. Sois présent pour les autres chapitres de ce livre. Sois présent jusqu'à la fin de ce livre. Sois présent lorsque nous allons commencer un nouveau livre de la Bible. Amen, amen, amen. Oui, chez qui? Cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Dieu au Seigneur, aide-moi à chercher premièrement ton royaume, à ne pas courir derrière l'argent, courir derrière les hommes, derrière les femmes, derrière les vêtements, derrière les voitures, derrière les chaussures. Toutes ces choses passeront. On n'entend personne, même avec sa voiture. Donc, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Amen, amen. Oui, Adriana, ne t'inquiète plus. Oui, ne t'inquiète plus. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Si aujourd'hui, je ne mange pas pour dormir, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Et tu verras avant la fin de la semaine, Dieu te bénira. Dieu nous teste, hein? Oui, il nous teste. Oui, Dieu nous éprouve. Amen, amen, nous connaissons bien l'histoire de Job. Alléluia. Nous allons faire nos déclarations bibliques du jour. Amen. Déclare la parole de Dieu avec moi. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, selon Psaume 119, verset 105. Je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel et je la médite jour et nuit, selon Psaume 1, verset 2. Je me réjouis de la parole de Dieu comme celui qui trouve un grand butin, selon Psaume 119, verset 162. La révélation des paroles de Dieu m'éclaire. Elle me donne de l'intelligence, selon Psaume 119, verset 130. J'observerai les commandements de l'Éternel, mon Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre, selon Deutéronome 8, verset 6. Amen, amen, amen. Dieu nous bénisse tous. Ce chapitre était un peu long, mais il arrivera qu'on lira des chapitres qui ont que 5 phrases. Donc, on ne va même pas faire les 30 minutes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour cette lecture de ce soir. Que Dieu manifeste encore ses bontés dans nos vies. Que Dieu nous remplisse de son esprit, de sa parole. Amen, amen, nous allons prier que Dieu nous protège encore cette nuit. Père éternel, au nom du Seigneur Jésus, je te prie de nous protéger tous cette nuit. Que tes anges campent autour de nous et nous arrachent au danger. Que ton Saint-Esprit soit sur nous, que ton Saint-Esprit soit dans notre maison. Que le sang de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soit sur la porte de chaque maison. Garde-nous de tout mal. Garde l'âme de chacun, selon Psaume 121, verset 7. Que toute âme forgée contre nous, cette nuit, durant notre sommeil, soit sans effet au nom du Seigneur Jésus. Que le feu de ta colère s'allume contre tout méchant qui veut nous attaquer.
Au nom du Seigneur Jésus, merci de nous donner un sommeil doux et paisible et de nous réveiller tous demain matin en vie et en bonne santé. Que ta grâce et ton bonheur nous accompagnent ce mercredi 17 avril 2024, que nous demeurons sous ton abri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Douce nuit à tout le monde et on se dit à demain par la grâce de Dieu. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus. Merci pour vos prières. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom, shalom, Brigitte, Sheki, Célia, Jamila, toutes les personnes qui ont suivi ce direct. Alléluia. Soyons toujours connectés à Dieu. Restons connectés à Dieu. Faisons sa volonté.